Nous sommes en Provence, dans le Haut-Vaucluse, en présence d'une chapelle et d'un auteur, Pierre Gaugier. Veux-tu te présenter ? Bonjour, je m'appelle Pierre Gaugier, je suis guide accompagnateur sur un site médiéval. Et donc, je suis passionné d'histoire et d'ésotérisme. Et j'ai souhaité faire un ouvrage sur la piste d'Hugues Pagan, fondateur de l'ordre des Templiers. C'est une thèse qui a été avancée par Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature, dans son dictionnaire du Philippe Riche. Et donc, c'était une piste intéressante à développer. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'était l'ordre des Templiers ? Alors, c'est un ordre de moines soldats, tout à fait inédit pour le Moyen-Âge. On se situe entre le XIIe et le XIIIe siècle, tout début XIV. Et cet ordre a nécessité à peu près 30 ans de mise en place, finalisé par un exceptionnel concile, le concile de Troyes, 1129, pour l'officialiser. Et alors, c'est quoi le rapport entre cette chapelle, à Beaumont-du-Ventoux, je le rappelle, et les Templiers ? Alors, cette chapelle était supposément Templière, mais il n'y avait pas de certitude historique. Et donc, j'ai mené l'investigation. Tout d'abord, avec un groupe, nous avons découvert, côté nord de la chapelle, une croix pâtée qui n'avait pas été répertoriée, une croix Templière. Et puis, du côté de l'entrée sud, sur le pied droit, j'ai découvert un graffiti de l'ordre du Christ qui a été créé en 1319 par le pape avignonnais Jean XXII qui réunissait les Templiers du Portugal. Donc ce sont là deux éléments importants. Et puis bien sûr, ça a été répertorié, nous avons deux croix Templières en paix qui sont à l'entrée sud du fronton de la chapelle. Alors, justement, à l'entrée de ce fronton de cette chapelle, il y a donc un personnage qui nous interpelle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce personnage ? Est-ce que c'était un Templier ? Qui était-il ? Alors, précisément, pour moi, c'était Hugues Pagan, fondateur de l'ordre des Templiers, dans sa deuxième partie de vie, puisqu'il va quitter l'ordre en 1129 pour devenir un bâtisseur d'église romane et de chapelle. Et c'est quoi les éléments qui te permettent de penser cela ? Alors, le personnage, si on est très attentif, parce que parfois les historiens comme les chercheurs indépendants comme je suis font des erreurs. Et donc, on évoquait que ça pouvait être un orang, un personnage en prière, ça pouvait être un évêque ou encore le Christ lui-même sur le fronton. Or, il n'en est rien puisqu'il n'y a aucun de ces attributs-là. Par contre, j'ai découvert une croix au-dessus de sa tête qui n'était pas répertoriée. C'est un personnage qui a donc une tonsure, qui a une bure. Donc c'est un religieux, et ça ne peut pas être un simple moine qui n'aurait pas figuré de façon isolée. Donc c'est un abbé. Et cette chapelle a été autrefois une chapelle liée à Saint-Victor de Marseille. Autrement dit, c'est un abbé bénédictin lié à Saint-Victor de Marseille. Et alors, c'est quoi le rapport entre cet abbé que tu nous dis voir sur le fronton et Herbert Pagan ? Alors, on a quelques auteurs, Bernard Falk de Besor, Alfred Weichten, qui ont écrit sur Pagan. Je cite dans mon ouvrage près d'une trentaine d'auteurs anciens, mais pour se concentrer sur ces auteurs modernes, il cite Hugues Pagan comme ayant quitté l'ordre templier après le concile de Troyes pour se consacrer essentiellement à l'ordre monastique de Saint-Victor de Marseille. Mes investigations m'ont poussé à comprendre qu'il avait fait un parcours depuis le Verdon, parce qu'il était seigneur sur ces terres de Bagaris, pour signer un certain nombre de chapelles. Alors pour cela, il fallait qu'il fasse partie une confrérie bénédictine, les enfants du Père Soubise. Et donc il va signer sous le nom de Hugo, qui est stylisé VGO, et seuls les maîtres d'œuvre signaient de leur prénom. Voilà. Donc le parcours nous conduit depuis le Verdon, en passant par le Vaucluse, la Drôme, et terminant à Saint-Gabriel, dans les Bouches-du-Rhône.
Ok, alors on entend tout cela, mais il me semblait que les historiens s'accordaient à dire que le fondateur de l'ordre des temples était en fait champenois, Hugues Payen de son nom. Alors comment tu expliques cette polémique? Alors, on connaît assez bien Hugues Payen en Champagne, Hugues de Montigny, seigneur de Payen, de Tonnerre, etc. En fait, le Concile de Troyes va officialiser la posture de ce personnage en tant que maître. Et donc, il a l'appui total de l'Église, mais l'ordre, je sais, par des donations, entre autres, a mis des dizaines d'années pour se construire. Donc, il a fallu des responsables. Donc, on a un maître catalan, de Pinos, on part des milices du Saint-Sépulcre au départ. On va ensuite avoir Ugo Pagani, un templier, bien entendu, italien, sud de l'Italie. Et puis, nous allons avoir Hugues Pagan, le Provençal. Et en réalité, il n'y a pas de polémique si on creuse l'histoire. Il y a simplement une question de chronologie. Et c'est ainsi que, officieusement, l'ordre des Templiers s'est créé le 27 décembre 1118 à la Saint-Jean. Et il s'est officialisé donc en 1129 au Concile de Troyes. Donc nous avons une chronologie toute simple. Alors est-ce que tu pourrais juste brièvement nous rappeler la vie d'Hugues Pagan, le Provençal? Alors c'est une famille d'origine italienne qui, vers l'an 1000, est arrivée en Provence, s'est installée progressivement dans le Verdon, puis une branche a quitté le Verdon pour arriver dans le Vaucluse, le Dauphiné, puis l'Ardèche. Donc il est né en 1070 à Saint-Symphorien-de-Main, en Haute-Ardèche. Et ce personnage est parti, c'était un chevalier, à la première croisade. Il a fait la connaissance, bien sûr, d'un autre personnage important, qui est Henri de Saint-Clair, le fameux clan Roseline, hein, les Saint-Clair de Roseline. Et donc, Hugues Pagan va se marier à Catherine de Saint-Clair. J'en apporte des éléments tout de même assez flagrants. Et nous allons avoir un personnage qui se trouvera une vocation de chanoine en Terre Sainte. Il va collecter des écrits apocryphes, des archives des déesses d'Antioche, etc., ainsi que des reliques telles la Sainte Lance. Et puis, lorsqu'il revient en Provence, de famille, bien sûr. Il va régner sur ces terres du Verdon. En 1114, il repart en Terre Sainte, suite au décès de son épouse. Et il va, en 1117, se trouver en Italie à Seborga. Et là, Saint Bernard va le présenter comme le maître de la milice de Saint Bernard, la milice du Christ. Continue son épopée, puis il se rend en Terre Sainte, et c'est là que, jusqu'en 1129, il va mener l'ordre, mais aussi des fouilles sous le temple de Salomon. Ce sera un sujet qui sera développé, notamment dans le tome 2. Alors, après cela, après le concile, il va se consacrer à l'ordre des bénédictins, sera prieur dans le Verdon, et va commencer son tour de Provence, qu'à l'époque on appelait ça ainsi. Et lorsqu'il a accompli son chef-d'œuvre à Saint-Gabriel, on le verra, c'est un lien très très particulier avec la tradition de la venue de Jésus-Christ de son vivant, retrouver sa famille en Arles. Eh bien, nous allons avoir un personnage qui va ensuite rentrer à Saint-Victor de Marseille sous le nom d'Hugo Pécator, donc il va avoir une correspondance avec l'ordre des Templiers qui n'est qu'à ses débuts de moins de soldats, parce que jusque-là nous avions un ordre essentiellement de soldats. Et nous allons avoir un personnage qui devient un abbé sous un nom peu ordinaire et fort de signification. Ce sera donc Petrus Salominis II. Alors, tu viens de nous parler de la famille Sinclair, comme quoi c'était la famille qui a épousé donc, Hugues de Pagan. Et est-ce que tu parles de la famille du célèbre roman du Code da Vinci? Voilà, le Da Vinci Code a eu ce grand mérite de
pouvoir exposer au monde entier des faits qui sont connus à l'origine sous le secret des Templiers. C'est développé dans le livre L'énigme sacrée, hein, dont il s'est inspiré, bien sûr. Alors oui, une telle lignée est possible. On peut dire simplement que Jésus était un rabbin, il était de la lignée royale, et un rabbin est obligatoirement marié. Il suffit d'en poser la question à un rabbin, il vous le confirmera, s'il le veut bien. Mais l'important, c'est qu'il y a eu une descendance, et cette descendance s'est répandue dans l'aristocratie européenne, et bien sûr est revenue en Terre Sainte avec la prise de Jérusalem. Alors là, tu commences à vraiment nous intéresser. Tu as l'air de dire que les Templiers avaient quand même pas mal de secrets. Tu viens nous en dévoiler un. Est-ce qu'ils en avaient encore d'autres? Ils en ont beaucoup d'autres, mais je ne parle pas de tous les Templiers, mais d'un cercle secret, le Secretum Templum, qui était donc un cercle dont les membres s'appelaient les Fils de la Vallée et qui possédait certains secrets. D'abord, le secrétaire Ex Deus, c'est-à-dire la lignée de Jésus et Marie-Madeleine, mais également les textes qu'ils vont découvrir auprès des chrétiens d'Orient, au contact des musulmans, vont permettre de comprendre que finalement Jésus a pu survivre à la croix, tout cela était parfaitement hérétique et devait être secrètement protégé. Donc on parle bien d'un cercle secret qui se développe à partir de 1129. Tu parles de deux secrets majeurs. C'est quoi ces deux secrets majeurs? Alors, on va, au travers de cette chapelle, découvrir qu'autour du personnage sur le fronton, qui a une position tout à fait intéressante, hein, voici la position qu'il prend, autrement dit, il cligne d'un œil, il fait un serment, main sur le cœur, c'est le serment du secret. Et justement, nous avons autour de lui deux croix templières en paix. Ça veut dire que nous avons deux organisations du temple. Une organisation officielle, orthodoxe presque, qui obéit au pape, qui est dans les canons de l'Église, qui est une organisation à la fois militaire, administrative, productrice de biens. Et nous avons une organisation plus secrète, avec une règle qui sera connue sous le règne de Roncelin de Fosse. C'est une organisation qui progressivement se détachera de l'ordre du temple. Alors ça, c'est le premier secret. On a une transpiration de ces secrets par les registres d'inquisition lorsque les Templiers sont arrêtés. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce deuxième secret autour du personnage du Pagan. Nous avons, de part et d'autre, aussi deux sépulcres. Donc nous avons un sépulcre officiel, ici c'est la chapelle du Saint-Sépulcre, elle a été créée quelque part au retour des croisades, restaurée, disons, parce qu'on est sur un ancien temple païen. Et il y a le sépulcre de Joseph d'Arimathie, que le monde entier connaît, mais il y a un deuxième sépulcre. Et là, c'est très important de comprendre qu'une famille davidique, de lignée royale, qui normalement est adorée par les juifs, d'accord, qui eux-mêmes connaissait que vaguement Hérode, eh bien, cette lignée ne pouvait avoir qu'un caveau familial. On ne peut pas imaginer les choses autrement, et personne n'en parle. Alors ce caveau, eh bien, il est au sud de Jérusalem, c'est le fameux tombeau de Tapiot, dont le réalisateur et documentariste James Cameron a fait un travail extraordinaire de recherche là-dessus. Donc deux sépulcres, ça veut dire aussi une dépouille d'un homme, Jésus-Christ. Et là, bien sûr, nous parlons dans un domaine qui n'est pas le domaine de la croyance, mais dans le domaine du respect de la foi de chacun. Mes recherches n'engagent que moi. Néanmoins, il est intéressant d'avoir cette ouverture de cœur, tout simplement. Ça semble intéressant, bien des secrets semblent encore à être à découvrir. Et est-ce que cela, par hasard, nous amènerait jusqu'au légendaire trésor des Templiers?
Est-ce que tout ceci est abordé dans ton livre, qui, je rappelle, donc retrace la vie du pagan ? Alors, il y a plusieurs types de trésors. Il y a un premier trésor de connaissances, bien entendu, et dans le tome 2, il sera abordé les fouilles du temple de Salomon. Je tiens à préciser que j'apporte, comme d'autres, beaucoup de sources. C'est très important d'avancer avec des faits, des traditions, des éléments pertinents. Et puis, il y aura, bien sûr, des choses importantes qui concerne la deuxième partie de vie du pagan dans ce tome 2. Quant au trésor des Templiers, il y aurait beaucoup à dire, cela viendra. Alors, en conclusion, les Templiers auraient peut-être certaines réponses contemporaines à des questions que nous nous posons, à ton avis ? Alors, il est certain que c'était des hommes d'église, des hommes de foi, et je pense que la sainteté n'appartient pas à une église en particulier, mais à toutes. Toute religion, et les plus sages et les plus initiés d'entre eux savaient reconnaître l'Esprit Saint qui vient sur quelqu'un qui n'est pas de leur confession, un juif, un musulman. Ils ont créé des alliances assez importantes. D'ailleurs, dans le tome 1, vous verrez des éléments surprenants sur les origines du païen le champenois et les liens avec l'islam. Ce que je voudrais surtout dire, c'est que les premiers chrétiens, les textes importants, dont ceux qui ont été écartés, parlaient justement de cette connexion avec le divin sans intermédiaire. Voilà. Alors, tout homme de cœur est un intermédiaire intéressant, mais la véritable révolution du Christ, ça a été la connexion entre le royaume de Dieu est au milieu de vous, disait-il, et justement l'expérience de Dieu, plutôt que la croyance qui peut conduire aux pires actes. Donc faisons confiance à l'expérience de la foi. Je pense que c'est ça le message le plus important, cet écuménisme bienveillant, mais qui respecte en même temps chacun. Alors je rappelle à tout le monde que donc le livre de Pierre Gaugier va bientôt être disponible, et si ça n'est déjà, et ce livre s'appelle donc Hugues Pagan, fondateur provençal de l'ordre des Templiers. Vraiment merci de tout cœur Pierre de nous avoir expliqué tout ça dans cette chapelle qui, je le rappelle, est le point de départ de ta quête. Tout à fait.